Et re, par Yo, Par... salut, tout, et Yo et re, salut, en fonction, barrer la mention inutile. Ah, on est là ce soir pour commencer là, j'ai oublié de faire un truc, le premier jeu du marathon God of War qui m'a été un enjeu, j'ai eu l'envie de faire en voyant les vidéos de Plouf et Pseudo. Si vous savez pas, ils font un podcast et durant tout le mois d'octobre ils ont fait 4 vidéos sur les épisodes God of War, donc 1, 2, 3 et Ascension. Ils ont aussi un peu parlé dans la dernière vidéo, enfin ils ont parlé, mais j'ai pas encore vu sur les épisodes PSP qu'on va faire. Dernier épisode sur Ascension qui donne pas très envie, hein, on verra bien quand on le fera. On a le temps, parce que bien sûr je vais partir fin de cette semaine, ce sera le dernier stream, donc on en aura aujourd'hui, demain, on n'aura sûrement pas fini avec God of War. Je vais répondre à SMS. Donc on aura ce soir et demain, on fera du God of War. Est-ce qu'on aura fini un? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas combien de temps ça prend pour faire le premier. Je connais un peu, donc ça devrait aller. On va bien voir. Mais bon, on aura le 2, les épisodes PSP avant. On va faire ça en fait. J'aurais pu faire dans l'ordre de la timeline. Hein. Le problème, c'est que la timeline commence par Ascension, qui est genre le dernier jeu sorti sur PS3. Ça donne pas spécialement envie. Parce que enfin, le jeu est pas ouf, mais enfin passer de ça, puis passer à God of War, et encore, je crois que c'est God of War 1, puis on a le premier jeu sur PSP, je sais déjà plus le nom. Chain of Olympus, je crois. Et après on a le deuxième PSP, et puis on a le 2. Donc à la limite, ça aurait pu aller. Puis en vrai, je me suis dit, on va juste faire le 1, le 2 sur le même CD. Puis les deux épisodes PSP sont sur un autre CD. Puis on fera Ascension. Et puis on fera le 3. Le 3, on pourra le faire sur PS5 en plus. Suivi de. On verra quand on aura fini ça. On se fera peut-être les deux remakes. Mais alors, ce sera en mode genre facile pour vraiment tracer l'histoire. On trace juste l'histoire, parce que sinon, si on fait les trucs annexes, on en a pour perpète. Donc ça, on verra. On va déjà aller jusqu'à la fin du 3, et puis on verra bien. Je vais juste, hop, prendre un peu de temps pour répondre à un message. Du coup, bon, là on va partir sur le premier. Bon, je fais un petit. Y a pas beaucoup de monde sur le chat, donc ça va surtout servir pour YouTube. Je vais mettre les VOD sur YouTube. Il y aura de la. Voilà, violence, je pense pas que ce sera un problème, mais je pense qu'il y aura 2-3 plans nichons. Peut-être pas être trop kiffé par YouTube. Bon, je démonétiserai les vidéos tant que je ne prends pas de strike. Ça me dérange pas, je ne monétise quasiment de toute façon rien sur YouTube. Twitch devrait pas trop me poser de problème, c'est pas non plus le. C'est une scène de temps en temps en gros. C'est une scène ou un personnage par jeu, c'est pas non plus la mort. Donc on verra bien. Maintenant, je vais mettre le jeu. Bon, au niveau du son. Peut-être à moins 11 décibels. On va un peu diminuer. Je tiens quand même à préciser. Les premiers jeux sont quand même des vieux jeux. Je pense que jusqu'au 3, enfin le Ascension et le 3, pour les épisodes PS2 et PSP en tout cas, c'est tellement vieux que c'est un peu kitsch la violence. Mais c'est pas le monde de Bisounours, hein, c'est God of War. Donc si la violence exacerbée ou ce genre de truc vous dérange un peu,
bienvenus, vous êtes prévenus, on va dire. Je vais dire beaufitude, c'est... Il y a quelques phases un peu beauf. On a une très tôt dans God of War, je pense qu'on aura. Donc, il n'y en aura pas des masses. On les fera une fois parce que ça donne des récompenses, mais c'est tout. Si on pouvait les skip, enfin si c'était gratos de les skip, je le ferais, mais malheureusement. Enfin malheureusement, pour quand même avoir la récompense, au moins les faire une fois. Et donc voilà, là-dessus, on va y aller. On va un peu regarder. Charger, qu'est-ce qu'on a du coup? Qu'est-ce que j'ai comme partie en salle chargée? J'y ai donc joué le 29 janvier 2015. Intéressant. On quitte avec triangle, c'est une façon intéressante. Les options, qu'est-ce qu'on a? Plein écran. Bah oui, hein. Volume de la musique, on va un peu diminuer. Direction manette, on va en rester là. Et dans les trésors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que j'avais pas mis de plein écran parce que j'avais pas de... Ça devait être mon ancienne télé. Making of, la bande-annonce, un niveau supprimé, possibilité de héros, vision de la Grèce ancienne, un autre mythique, une naissance de la bête, mode divinité. Je peux pas le faire. Il y a un mode divinité pour débloquer. Ah, c'est pour savoir qui est devenu Chronos le Titan, gagner le mode divinité pour débloquer. Bah Chronos, on le sait pourtant. Nouvelle partie. On prendra peut-être une tenue s'il n'y a pas de truc. Message œuf de Pâques. De PQ d'ailleurs. Ça, je sais plus comment on a le message secret 1. Je sais que le message secret 2, normalement. Bon, on va partir sur une nouvelle partie en mode normal. Chef guerrier. Bubble. Tycoonius. Compétence préférée, XP. Alors je préférerais avoir Blaireau. Ah ouais, c'est... Armure d'Arès, compétence préférée, armure. Le problème en fait c'est que c'est... Je crois que les compétences magiques donnent de la magie à l'infini, donc ça baisse un peu. Ça c'est de la vie à l'infini. L'XP, je pense que je gagne masse d'XP, donc en vrai, bon... Et armure, je pense... Je sais pas quelle est la différence entre armure... Bon, en même temps, bon, l'armure d'Hadès, on va jouer en normal, hein, on va dire. Les dieux de l'Olympe m'ont abandonné. Ouais, les vieux polygones. Ça pique un peu, hein. Là, on passe dans la cinématique. Il n'y a plus d'espoir. Et Kratos se jeta de la plus haute de toutes les montagnes de la Grèce. Ouais, il se jeta, il se laissa tomber, ouais. Après 10 ans de souffrance, 10 ans de cauchemars ininterrompus, tout cela allait enfin finir. La mort lui permettrait d'échapper à la folie. 10 ans? Comment ça 10 ans? Là, il y a un problème par contre. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Kratos avait autrefois été le champion des dieux. Bête infâme! Je vais vous renvoyer dans les enfers! Bon, on commence direct là, quoi. Pas le temps de niaiser. On est rentré. Je vais pas dire PS1, mais quand même. Là, les polygones. Pas de suite.
Ah, il a pas encore ce... Ah, c'est vraiment le début... C'est les débuts, hein. Il y a plein de trucs qu'il a pas encore. R2 quoi. Attendez, en français, ouvrez les coffres. Oh putain, les coffres, ça va, c'est. Faut juste rester appuyé. Les poutres, on voit qu'ils donnent de l'XP, c'est intéressant. Ah, on peut bloquer. On va dire comme ça, c'est avec le lead. Canaliser, je sais. Attaque, on s'en fout. Objet. Les options, c'est comment? Ah, voilà. Encore un peu baisser le son, parce que c'est la violence, hein. Pas moyen de bouger. Merde. Je crois qu'il y a moyen de passer par là, mais... Oh putain. On va passer par là plutôt. Je crois que là par contre que... Voilà. N'approchez pas! N'approchez pas! Je sais qui vous êtes, Spartiate, et ce que vous avez fait. Je refuse que vous me sauviez. D'accord. Ça me paraît bien la voix, le fond sonore comme ça. Peut-être augmenter d'un. Un cran. Pas lui que je voulais choper.
Enfin, quoi. Une forme de taureau ou même pas, c'est juste de la vie. De la vie, moi, c'est juste des points. Ah. J'aime bien, c'est qu'il prend plus de dégâts comme ça, hein, moi ça m'arrange. Si avec le temps je me souviens encore de... Sûrement pas tous les endroits, mais là où il y a des trésors et des trucs comme ça... L'ennemi ouais, c'est vrai que les poutres et les plateformes c'est vrai que quand t'as une caméra qui se fixe comme ça, ça va. Donc là le jeu il veut qu'on aille à gauche, je crois, donc on va aller à droite. Merde. Putain, il se rattrape pas là. Ah, je me rappelle que c'était horrible, hein. Bon, le checkpoint est juste avant, mais... Je me rappelle qu'à l'époque... On mourait quelques fois, hein. Hop, 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 hop. Voilà. Le retour, c'est quelque chose aussi, hein. Hop, hop. Si la caméra pouvait arrêter de changer de sens, ça m'arrangerait. T'as vivement quand même au moins le 2 pour que ce soit c'est vous. Les visions fin de la PS2. Les dieux m'avaient pour même pas ses yeux, tellement il fait sombre. Nous sauverait de l'hydre. Mais c'est trop tard. Nous sommes coincés. Je crois qu'il va se prendre une grosse flèche dans la gueule, lui. Ces créatures, elles viennent de nulle part. Les bateaux sont détruits, il n'y a plus d'espoir, Spartiate, même pour vous. Voilà. Notre perso en mode, bon, bah les couilles. Ah ouais, putain.
Oui. La gestion des sauts, c'est quelque chose, hein. Ok, la fin de musique, là. C'est déjà la magie de Poséidon, là? Ah, peut-être pas. Il faut la clé du capitaine, c'est ça? Apparemment, c'est là que les femmes essayaient de se cacher. Ah bah, c'est dommage pour elles. On a déjà la chope dans celui-là. Non. J'ai peur qu'il tombe. Là derrière, je sais qu'il y a un coffre. Tiens, déjà on arrive à avoir toutes les améliorations de santé et de magie. On est bien. Il faut combien de moulins? 1500 orbes. À savoir qu'on est à 650. C'est genre 300 par level, donc il m'en faut 5. Bon, au fond, il n'y a rien là. T'as pour de la PS... Enfin, début PS2, c'était pas dégueu, hein. Je sais plus, par exemple. Non, c'est mieux de PS2. PS2, c'est 99-2000. Un œil de Gorgon. Le jeu date de 2005, donc Ah, Poséidon. Le premier à nous donner son pouvoir. Et il sera pas le dernier pour un autre truc non plus. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Seigneur Poséidon, Kratos. Avant de rejoindre Athènes, il y a une tâche que vous devez accomplir. Cette bête, cet hydre, terrorise les mers depuis beaucoup trop longtemps. Vous êtes très doué, mais vous aurez besoin d'aide. Il vous faudra la puissance des dieux. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Colère de Poséidon. Allez avec les dieux, Kratos. Avancez au nom de l'Olympe. Ah, il y a quand même des ennemis.
800, t'as quoi? 800, donc presque 900, ouais, 600 en vrai. C'est 300 par le vol. Ça m'enchange, on m'imagine. Pour le temps de chargement. Je crois qu'à force, je mettrai sur la première sauvegarde en mode bas les couilles. De toute façon, s'il n'y a pas d'histoire de game plus ni rien. Ah, c'est directement le combat de boss. Arrière! Arrière! Éloignez-les du bateau! Pourquoi ne meurt-elle pas? C'est l'hydre géante! Elle guérit les autres! Mange! Grand Dieu! On ne s'en sortira jamais! Perdu! On est perdu! On va tous mourir! Poséidon! Sauvez-moi! Je m'occupe des deux petites, je crois, d'abord. Sinon, on ouais, me laisse pas. Elle est buggée ou je la... J'ai Mokubunisé... Mokubun... Mokubun... Oh putain, je sais plus le dire. Elle était buggée en mode avec un truc. Déjà.
Arrête de crier. Tu sais que c'est une hydre, mais arrête de crier. Allez, let's go. Ça se finish quand même. Ça doit pas faire du bien. Je me rappelle pas que le combat de l'hydre était aussi simple. Bah, c'est le premier en même temps, on peut pas trop lui en vouloir. Le jeu a jamais été connu pour sa grande difficulté. Aidez-moi! J'implore les dieux! Toi, tu vas regretter, hein. Enfin. Dans tous les cas. Merci! Grâce aux dieux, vous êtes revenu pour moi! Je ne suis pas revenu pour vous. Non! J'avoue que c'est pourquoi le. Ok, t'as besoin de la clé, mais pourquoi jeter le mec, quoi? C'est vraiment pour la vanne, je sais, c'était... Mais quand même... Ok. Putain, les cris chelous... Ah, ah. Oh, on est de Gorgon, on n'a pas eu de. De corne de Minotaur. Attends, ouais, je crois que je peux mettre là. Je sais pas pourquoi j'avais gardé une save. Sûrement pour un trophée ou autre. Mais un truc que j'avais pas dû réussir à faire et que j'ai donc dû refaire. Putain, mais ils sont encore là, eux. Bizarre. Ouais, le jeu il kiffe pas, hein. Tu vois ce que ça veut lui redonner comme souvenir là? En mode tout le monde est mort, hein. On n'entend plus personne en plus. Attends, on les entendait bien, ils étaient loin dans... après deux couloirs, quoi. Et une porte. Ah oui, ce passage. Massacrés comme des bêtes, les victimes gisaient devant lui. Un rappel de son passé. Un passé auquel il ne pouvait échapper. Sa seule consolation était la mer. Naviguant sans cesse d'un port à l'autre au service des dieux de l'Olympe, tous ses espoirs reposaient sur eux. Peu importe la quantité de vin consommé ou le nombre de femmes dans son lit,
Rien sur Terre ne pouvait lui faire oublier les horreurs qui le tourmentaient. Athéna ! Dix ans, Athéna ! J'ai loyalement servi les dieux pendant 10 ans. Quand me soulagerez-vous enfin de ces cauchemars ? Nous vous demandons une toute dernière tâche, Kratos. Votre plus grand défi vous attend à Athènes, qui a été assiégée par mon frère, Arès. À cette heure, Athènes est sur le point d'être détruite. La volonté d'Arès est de faire tomber ma grande cité. Zeus a interdit aux dieux de se faire la guerre mutuellement. C'est pourquoi je fais appel à vous, Kratos. Seul un mortel entraîné par un dieu aura une chance de vaincre Arès. Si je fais ce que vous voulez, si je tue un dieu, alors les visions, elles cesseront. Accomplissez cette ultime tâche, et le passé qui vous consume sera pardonné. Ayez foi, Kratos. Les dieux n'oublient jamais ceux qui leur viennent en aide. Abandonnant la carcasse pourrissante de l'hydre, Kratos reprit la mer. Son plus grand défi et la possibilité de se libérer de sa folie grandissante l'attendaient dans la cité d'Athènes. C'est dans le 1 ou dans le 2 qu'on peut... Oh, les bons gournichons... C'est moi où il a une peau de cyclope sur le parterre. Revenez au lit, Kratos. C'est pas ici. Revenez au lit. Restez, Kratos. C'est pas ici qu'il y a un mini-jeu. Ça va partir du 2. Ah, voilà. Je suis désolé, hein, c'est très beauf, mais ça donne des... de l'XP. Ne partez pas déjà. Oh, merde, désolé. On peut s'en aller. On a bientôt de quoi améliorer les lames. Dommage qu'ils n'ont pas fait un remaster de... Enfin, une version PS4 ou quoi. Une collection avec les 4, le 1, le 2 et 2 versions PSP. J'aurais pas dit non hein, pour pouvoir jouer sur, sur PS5. Enfin PS4 et PS5 pour le coup. Putain, mais ils ont mis le point d'Athéna à l'avance, ce qui fait que. Il est pas sur la statue, il est à l'endroit et du coup on le voit dans la cinématique. Détruisez Arès et les dieux vous pardonneront vos actions passées. Ça, c'est je tiens le mec qui s'est dit on va mettre une ombre à la police, ça va être marrant. C'est enfin c'est lisible, mais c'est pas bien lisible quoi. Résistant. Pas passer le level 5 hein.
petit peu. Ramasser des dents pour améliorer vos armes, appuyez sur. On a juste assez quoi. Nouvelle attaque, montée d'Apollon L1 plus croix, fureur d'Apollon R L1 plus croix, élan d'Hermès R1, rage d'Hermès en R R1, nouveau pouvoir courroux divin, on se voit juste plein de temps, on a courroux divin. Pas mal. Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Pourquoi il y avait ça en bas? Trop chelou. Non merde, je peux redescendre. Ouais. Merci beaucoup. Ah, Otaku Nishimoto, merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce que c'est que ce zone? Ils ont un peu de magie parce que ils sont résistants eux. Merci beaucoup pour le follow. Comment vas-tu? Et bienvenue. Un œil de gorgone. Ah non, c'est des plumes de phénix ici. Ça, ça ramène là quoi. Tout ça pour une plume de phénix, bah fallait la trouver hein. Le manque de musique est incroyable. Le 1 c'est vraiment brut, hein. C'est le premier essai, c'est comme pour beaucoup de jeux, un petit Jacket Dexter, Ratchet & Clank. Moi, je suis déjà à fond, bon. Y a pas de malus, hein. Ah. Fuyez! Fuyez! Les bêtes ont pris à tête! Attention! Putain, il l'a transformé en confiote. Elle a peu de confiture de soda. Putain, ça hurle par contre. Ça garde ma joue du coup. Hein. Enfin, je veux dire, ça garde active. Hein. Putain, mais les musiques dans le 1 quoi, du coup tu gagnes un combat et te lâches un truc comme ça. J'ai envie de dire vivement 2. Oh, le premier cyclope.
Ouais, je crois que c'est là, hein, le premier cyclope. Vous, les renforts sont arrivés? Arès a amené ses bêtes dans Athènes! Sans aide, la cité est perdue! La porte est détruite! Il va falloir trouver un autre... La balance de son horrible aussi. Ah. Le premier cyclope... vénère, hein. Mais on t'en met un deuxième gratos. Je peux diminuer la musique parce que... Elle est bien, mais elle gueule, hein. M'y attendais pas. Je sais que par là, ouais, voilà, là il y a un coffre. C'est juste un coffre de vie, c'est tout. Je m'attendais à mieux. Bah, à part, vous voyez un pont menant à Athènes. Les portes... La porte est très abîmée, elle est irréparable. Elle ne fonctionnera plus. Il doit y avoir un autre chemin pour contourner et aller sur le pont. Bah encore une chance, hein, sinon... Oh merde, c'est la fin de l'aventure. Prendre de la magie, hein. On est déjà au moment où on va voir la tête de Gorgone. Enfin, la tête de Méduse. Ouais, je crois. Plus que deux yeux. Non. J'ai roulade. Tenter voir si, mais c'est pas comme les poutres, ils se laissent pas faire. Le jeu nous repousse vraiment loin. Non. Et par contre, le air control. Et quand les mecs se sont dit, ouais, ce serait... les mecs ils vont galérer, ils vont trop kiffer. Je peux même pas, genre, tomber, quoi. C'est... Ah si, en fait, oh putain, je suis trop con. Je visais que j'aille tout droit. Est-ce que par là? Ah, forcément. Une plume? Ah, juste de la moula.
Aphrodite. Kratos, les dieux sont contents de vos avancées. Mais vos aptitudes actuelles ne suffiront pas pour vaincre les serviteurs d'Arès. Je vous offre un grand pouvoir, celui de paralyser vos ennemis sur place. Mais vous devez mériter ce don. Comme ça, si elle la regarde en mode... Je me la ferais bien. Quand on voit le pas du corps... Méduse, la reine des Gorgones. Rapportez-moi sa tête, Kratos, et je vous offrirai le don de maîtriser sa puissance. C'est vraiment une pute, parce que du coup, elle maudit Méduse. Un peu plus de son parce que là j'aime bien, c'est que je l'ai déjà fait ce mini-jeu avec les directions. Paralysez-les, détruisez-les tous avec le regard de Méduse et le pouvoir des Gorgones sera vôtre. Première et possiblement dernière fois que vous verrez pas un mauvais pouvoir la Gorgone, mais je préfère le celui de Poséidon. Ouais, il m'en faut combien? 2250 pour les lames, 1650 pour le améliorer ça. On va essayer d'améliorer celui-là une fois. C'est pas mal d'avoir une attaque magique améliorée. Après les lames c'est principalement première source de dégâts. Hein. Thank you.
Snake Eater. C'est juste pour nous montrer un vieux cadavre PNG tout moche. Et là il y a un truc je crois. Ouais. Ça regarde un coup. Du coup je ferai une connerie. Ça, j'ai plus de sauvegarde depuis le bateau. Sérieux. Ça a été loin cette save. Ils en ont pas des masses au début, en des plumes de phénix. Je crois que là je peux pas, c'est genre blindé ou un truc comme ça, la porte est trop résistante. J'ai pété un mur avec, on rappelle. Ah non, la porte je peux. Okay, ça c'est trop fort. Du coup, si je la remets vers la droite, je crois que ça... ça fait quelque chose. Non. Du coup, j'ai pas accès. Taper tout à ah. Pas un truc comme ça genre je crois que je me rappelle c'est une histoire avec une des statues ou alors si on va pousser une caisse en passant par un trigger. Wow, je sais pas ce qu'il a fait là, mais petit rattrapage. Alors, on repasse par l'échelle Snake Eater. On revoit une fois le cadavre polygoné. C'est intéressant. Genre je peux rien faire, c'est... Ah non, c'est... Ça va. Petit raccourci à la Darsou. Je sais pas pourquoi. Au cas où on tomberait. C'est trop gentil de leur part. Hein.
What the f... Ok. Je m'y attendais pas à celle-là. Là, je peux pas faire des demi-tours. Je pense que les ennemis resettent pas. Ah mais si, il l'a. Il l'a déjà. Je suis trop loin. Hein. Ça pour de la moula, j'espère que ça ralasse bien. Hein. Quand même, il y a moyen que j'améliore la magie. Est-ce qu'on fait la magie ou on se focus les lames? Peut-être focus les lames, hein. Plus de dégâts. Après, la magie c'est bien, ça se régénère. On va souvent utiliser un mix des deux, donc on va un peu améliorer la magie. On va se focus là-dessus, la tête de Méduse sera pas pour tout de suite. En plus avec le niveau 1, c'est... enfin niveau 2 pour le coup c'est fort parce que... Bon, par contre 4500 il va se calmer, ce sera pas pour tout de suite le niveau 2. En soi c'est fort parce que du coup quand je fais la magie je peux spammer rond pour faire plus de dégâts plus longtemps donc... Accroche-toi je t'en supplie. Que de la vie. Regardez. Après comme le jeu a un système de checkpoint, je sais pas si ça vaut le coup, je sauvegarde tout le temps. C'est vrai qu'il y avait ça, putain. Quelque chose en bas? Non. Ça fait depuis tantôt que j'utilise. La colère des dieux guide tes lames, Kratos. C'est une jolie hitbox quand même, hein. Comme ça là. Je suis sûr que lui il me fait tomber hein. Je me rappelais bien qu'il y avait un truc avec cette statue. Pour faire une plateforme pour atteindre une échelle quoi, tout ça pour ça quoi. C'est à l'époque où Kratos ne savait pas encore qu'il pouvait utiliser ses lames comme un grappin.
l'époque où c'était bien, bien cramé. Hein. Ça dure pas longtemps, mais c'est bien vénère la fureur. J'ai cru qu'elle était sur rail, que ça avait un intérêt. Mettez-moi une gorgone avec, je vous en supplie. Du coup, j'ai laissé comme je l'avais envoyé en l'air. Voir souvent ce finisher là. Merde. Le truc reste donc c'est même plus. Le problème c'est que c'est très très sensible, genre. Faut vraiment bien commencer là où ils volent. Avec vous calmer, oui. Bon, il est mort. En tout cas, ça me permet de passer. Ah, ces phases-là. Il y a beaucoup trop d'ennemis là. Je
dit. Lâcher trop tôt. On va prendre la vie quand même. Première porte, on pouvait pas. Non, si, c'est la porte là où on a pu, c'est pour ça. Un petit coup de sauvegarde quand même. C'était une porte comme ça aussi qu'on avait pété. Ouais, c'était le mur qu'on n'avait pas pu. Le mur qu'on vient d'ouvrir. On va remettre un coup de... MDA. Le temps qu'ils approchent, on a perdu de l'XP en vrai, mais c'est pas si grave que ça. Putain, la violence. Oui, c'est la porte là. Mais c'est la suite, ça. Il y avait rien en haut. Je crois que c'était en haut. Il y a peut-être quelque chose en haut, en vrai. Ok, c'est l'inverse. Il y avait un truc en haut et moi je suis allé en bas. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts de chute, hein. Ne craignez rien, Kratos. Je suis l'oracle d'Athènes et je vais vous aider à vaincre Arès. Trouvez mon temple à l'est et je vous montrerai comment tuer un dieu. Alors, venez me voir, je vous dirai tout. Tout le monde le sait ici, c'est pas vraiment un secret. Athènes, c'est pas la plus marrante des zones, hein, je crois. Ah, c'est vrai qu'on arrive là, par contre. Le petit Arès en mode armure T3 de WoW. Je prends plus tard, mais est-ce qu'on peut pas y aller? Y a pas un truc par là? Y a un coffre déjà qui nous attend. Ouais, plus qu'un œil de cyclope du coup. C'était pas pour tout de suite. Dans pas très longtemps, je pense.
Les fêtes dans le ciel, c'était quelque chose, hein. Mais ils nous ont montré, et puis maintenant il y a une cinématique, ils auraient pas juste pu nous laisser la cinématique. Ah, des aplats de texture là. Dieu de la guerre, je ne vous ai pas oublié. Pour ce que vous avez fait cette nuit-là, cette cité sera votre tombe. Ok. Je pensais qu'il y aurait un flashback ou quoi, même pas, s'en bat les couilles. Ce que vous avez fait ce soir-là, qu'on racontera dans plusieurs chapitres, vous le payerez. Ah. Je crois que c'est ici qu'il y a des trucs, la boule de feu au pif. Oh non. Je suppose. Y'a rien. De Phoenix. Je pense que leur flèche n'interrompt pas le... violent. Là, faut pas être si énervé, hein, mon gars. Je suis allé là. Je crois qu'il y a rien. Oh, est-ce qu'il y a quand même une porte ? Il y a un tout petit peu de moula, c'est pas énorme, hein, mais c'est toujours ça de prix. Parce que c'est un temps de guerre qu'on n'a pas le droit de voler chez les gens. Hein. On est un héros de jeu vidéo. On rentre chez les gens et on leur vole leur affaire sans leur demander. Dommage collatéral, désolé. Pas un œil de cyclope, c'est un œil de gorgone. Putain, j'ai vraiment tout faux quoi. Moi, c'est à partir du 2 où ça va être l'œil de cyclope et
phénix. Plume de phénix. Oh putain. J'ai raté. Ah ouais d'accord, ils font ça. La colère des dieux guide tes lames, ouais. Kratos. Gueule Athéna. Elle m'a fait si peur. Oh le... mixage audio, quoi. Ah, j'ai ouvert. Ah ouais, putain, j'ai vachement reculé, là. Mais c'est des maisons trop bien. C'est pas la plus fun des phases, mais bon, ça rapporte de la moula. Attends, comment je vais faire? Ah, c'est juste que je les pète, ok. Oh putain, c'est vrai qu'il y avait le truc de corde là. Mais comment on fait pour monter là? Ça peut les vouloir hein, son XP. Ah d'accord, on change de direction, j'avais oublié. Alors le balancement il est trop chelou parce que c'est pas genre tu dois aller d'avant en arrière, si tu restes appuyé ça avance. Bah, là on arrive chez Erich, ils ont des portes en métal qu'on peut plus dégager. Ça veut rien dire. Genre tu passes d'une rue à un trou, t'as ça quoi.
T'as des portes. Ah, elles avaient pas l'air en méta donc. Du coup là. C'est métal ? Voilà, là c'est en métal. Ouais mais le mixage audio là, allez vous faire enculer. Là. Sa mère. On a combien de trucs ? Oh, on a encore que 3 trucs à débloquer. Hein. Ça va. Hein. Faut absolument finir la top 5. Mais l'autre qui mongolise. Pas que ça me dérange, hein. Mais ça fait vibrer l'écran, c'est pas très agréable. Là, mystérieusement, tout le monde a disparu. Ah, une porte en métal, ma faiblesse. Toi, je t'ai vu. Putain, que des portes en métal. Ah, pas que. Ah ah. Des gens qui hurlent quoi. Oups, désolé. Je crois que de souvenir ça va pas être les phases les plus cool là. Éloignez-vous, n'approchez pas de moi. Mais meuf, c'est toi qui nous a appelé. Ça me rend toute la mana. Reculez, restez loin de moi. Cette voix me dit quelque chose.
Mais j'arrive pas à remettre le point dessus, genre un personnage. N'approchez pas! Je vais voir parce que ça m'intrigue. Ça doit pas être trop dur à retrouver la VF. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous avez fait. Monstre. Attendez. Reculez. Éloignez-vous de moi. Mais c'est pas elle la prêtresse, ok. C'est juste une... Il me faut pif. Éloignez-vous, n'approchez pas. Restez loin. Ok. Un truc tribu. Elle a un truc qui brille qui a l'air important. Faire une petite save. Hein. Sa mère, faut que j'aille chercher sa mère là. Et faut remonter maintenant, c'est de la baise. Genre maintenant il va y avoir des ennemis, c'est ça? Ah bah bien sûr. Oh, des nids carrément. Ça va, on se l'a fait.
Ça amène toujours à rien, hein, je... Truc que je comprends pas. Des archers de, mort, de leur mort là. Tout ça pour ça, hein. Ah, la musique. À Athènes, c'est pas vraiment le moment le plus. On peut vraiment pas y aller. Oh non, on peut pas y aller. Athènes, c'est vraiment pas le moment, la partie la plus intéressante. Et en même temps, c'est pas là où la plupart du jeu va se passer, donc c'est logique. C'est un peu une phase de. D'histoire. À moi. Ça, on va le prendre. On va en prendre les deux en vrai, mais... C'est dégueulasse les textures. Oh putain, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous faire un finishing qui n'existe pas, quoi. Enfin, finishing. Un finisher qui n'existe pas. De d'XP pour Elam 2250, donc ça fait 7, non un peu plus de 7, le 7 ça fait 2100.
Oh, encore un. What the fuck? Okay. L'air des dieux guide tes lames, Kratos. Oui, oui, Athéna. Oh. Je savais pas, tiens, ça. Tu vois, ça me rajoute la mana en plus. Juste parce que j'aime pas avoir des coffres pas ouverts. Je vais pas sauter par là, je vais me reprendre les escaliers. En ce moment, Ouf. Partez! Ares est entré dans la cité! Quand les renforts vont y arriver! Ouf, voilà, c'est vilain chargement là. Hein. Bon. Ces pots-là ont le droit de vivre, semblerait. Je vais aller m'occuper d'eux avant de pouvoir avancer. Ah mais encore eux. Assez. Et mon 40. Encore autant, on est bête. Ça rapporte plus que c'était les ennemis. T'es short. Bon, moi si j'ai pas assez. Bah, mais j'ai pas assez, il m'en manque deux. Sérieusement quoi? C'est ici. Je crois que c'est ici qu'il donne. Moi c'est les deux qui manquaient. Ouais, pile poil quoi. Là il donne vraiment beaucoup de pouvoir au début hein. Elle a un carré, ça c'est pas mal. 3 fois triangle, 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 carré. Revanche d'Hadès. Carré ou triangle ou R1 en position de parade. Maintenant.
donne quelques âmes. Hein. Par contre, je vais aller voir en arrière, parce que c'est bizarre quand même que... Je crois que normalement, c'est une histoire comme quoi... voilà, il y a les ennemis sur le toit, là, je peux pas les battre. Quelle heure? Ah, 10h30 presque. Ok. Moi je veux bien, hein. Chopé. Combien de ces merdes? Beaucoup trop, j'ai l'impression. On a beaucoup trop de chemin là. Pour savoir lequel. Oui, mon alarme, je sais. Je m'en rappelle. Là, il me faut le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose par là? Michel. Tout? Ah, encore. Ok, bon, ça c'était. L'annexe, bon bah, je suppose que comme je peux pas prendre les cordes parce que les ennemis m'attaquent, il faut que j'aille aux vignes. Pour avoir. Non, je crois qu'on va avoir le. Deux armes ? Non, je crois pas. On va avoir le pouvoir de Zeus. Les éclairs de Zeus. Vous ! Je dois passer ! Lâchez ce levier, déployez le pont ! Non ! Non ! Je ne les laisserai pas me prendre ! Ils ne passeront pas. Ces monstres, ils vont me dépecer. Putain, mais un modèle dit de PS5 quand même. Lâche. Lâche. C'est ce qu'il devrait faire, hein, en vrai. Ça me ramène là. Pourquoi? Force brute, hein. Je
vite. Il faut. Ok, c'est par où Zeus? Truc annexe. Je dois passer. Lâchez ce levier, déployez le pont. Non, non. Je ne les laisserai pas me prendre. Ils ne passeront pas. Ces monstres, ils vont me dépecer. Lâche. Lâche. Je sais plus où se trouve le pouvoir de Zeus. Je l'ai partout où je pouvais en vrai. Hein. J'en profite pour sauvegarder. Ah mais on peut pas regarder J'oubliais, on n'est pas sur ma PS5, qu'on ne peut pas regarder de vidéos YouTube pendant que je mange. Le problème c'est que je vais devoir aller me faire un assiette à manger. Bien du coup on va se mettre en right back et je mangerai pendant la pause ou je reviens, enfin je vais pas manger pendant on verra bien s'il y a du monde ou s'il y a personne.
Vire. Je vais pas remettre le feu. Ensuite, je vais manger. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Pour ceux qui n'aiment pas l'ASMR nourriture. Bon, depuis... ça fait quoi, 2015, ça fait genre 7-8 ans. Il a pas mal vieilli, ce God of War, hein, depuis la dernière fois que je l'ai fait. Déjà, à l'époque, c'était pas le tout jeune, il y avait déjà 10 ans. Mais pour le moment, ça va. Je me rappelle plus ou moins de ce qu'il faut faire. Il y a pas beaucoup de jus dans cette banquette. J'aimerais bien arriver à un point. Au moins qu'on arrive à l'entrée. À partir des toits, je crois qu'on n'est pas très lent. Vraiment, Athènes, pour moi, c'est un peu le... C'est le début pas ouf, quoi. Les ennemis sont chiants, les ennemis sont pas super intéressants. Donc pour moi, le vrai point fort du jeu, c'est après. En vrai, le début... Encore une chance qu'il y a le tuto, hein, parce que franchement, le début à Athènes, s'il y avait que ça, je crois qu'il y en a un. Ce serait pas terrible. Et je sais plus si c'est d'après les making-of ou quoi, mais. La partie avec l'hydre est arrivée, je crois que c'est une des dernières qu'ils ont développées, et tant mieux, hein, franchement. C'est ce qui a servi de démo aussi, je crois, à l'époque. Je crois qu'il y en avait une, je sais même plus. Mais bon, vivement le 2. Les épisodes PSP. Ah, j'avais un grain de riz qui était coincé, non. Une dent qui me fait... Enfin, pas qui me fait mal, elle me fait pas mal, mais elle me dérange un peu. Et je dois attendre fin du mois de novembre avant de me faire enlever. Enfin, j'aurais pu début novembre, mais comme je partais... C'était compliqué à faire. Est-ce que c'est là qu'il faut aller? Ah oui. Ah oui, j'avais oublié qu'on pouvait aller par là en vrai.
Dieu. Prendre de la santé quand même. Bien un qui aura un œil ou une plume. Un qui a des ennemis déjà. Le mixeur, on va. Ok, donc c'est bien quand on fait une parade, ça. Ok, je peux le faire remonter. Ok, il y avait rien là avant. Donc ouais, y a pas l'air d'avoir de secret, faut juste le faire deux fois. Oui, une échelle. Là, c'était secret. Ah, d'accord, en fait, c'est ça le... C'est à la base, normalement, c'était ça. C'est, il fallait faire ça, tu te rends compte, et du coup, t'as besoin d'un autre truc et tu dois aller chercher. Quand je trouve la... Allez, quand je comprends la vraie solution avant de tenter la solution normale, on va dire. J'ai deux doses. Seigneur Zeus, Kratos, vous devenez plus fort au fur et à mesure de votre quête. Mais pour triompher de cette aventure, vous aurez besoin de mon aide. Je vous offre le pouvoir du plus grand de tous les dieux, le père de l'Olympe. Je vous offre la puissance de Zeus. Prenez cette arme, Kratos. Exploitez sa puissance et utilisez-la pour vaincre vos ennemis. Putain, les genoux, quoi. C'est bien, Kratos. Allez avec les dieux. Avancez au nom de l'Olympe. J'aime bien le « c'est bien » en mode « c'est bien le chien ». Caméra bourrée. Ah,
pousser vers ça, mais ça donne quoi? J'ai la magie hein, quand même. Parce que la suite c'est sur les toits. Putain, la caméra quoi. Juste gratos quoi. Ouais, c'est bien grave. Je comprends. Hein. C'est juste il tue les mecs sur le toit, ça ouvre ce passage là. Why not, hein. C'est vraiment. Je me rappelle de certaines parties, mais il y en a vraiment ici. C'est-à-dire que je les ai oubliés, mais vraiment. Bon, bah déjà. Merci, hein, ça sert à rien de repasser de l'autre côté. Par contre, faut pas avoir utilisé toute sa mana comme un con. Hein. Mais le cri de Willem, quoi, c'est bon. On n'est plus en 2005. Hein. Enfin... Wait. Ce cri de Willem, quoi. Même en 2005, c'est déjà plus. Ah, on avait plus qu'un, on a encore une amélioration de vie. Ah. Très dur, mais ils sont chiants, quoi. De moulin. Où est-ce qu'on est là? Ah, on est pas loin du temple, je crois.
Oracle ! Kratos ! Ça, c'est Jade. Grâce à Athéna, vous êtes arrivé ! Ça, c'est Jade de Mortal Kombat 9. Non ! Kratos ! Kratos ! Trouvez-moi ! Vous devez me trouver ! Athènes en dépend ! Alors maintenant, il y a une échelle. Il y a encore son cadavre qui brille à elle. Femme est morte. Ok, la violence. Vous êtes pas là plus tôt, cette échelle? C'est même pas la Dark Soul, genre on active le raccourci, c'est... C'est avance et puis il est là en mode, ah bah si tu tombes... Au moins ils sont sympas. Enfin, en vrai techniquement c'est fort, parce qu'ils auraient pu juste mettre une death zone et... Ah, t'es tombé, bah t'es mort. Je pense qu'on va aller jusqu'à l'entrée de là où je pense. Et qu'on arrêtera pour aujourd'hui. On aura déjà pas mal avancé. Ah d'accord, j'ai envie de taper tous les murs dans le doute. Après, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des ennemis là aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore tout le début du temple de l'oracle.
C'est bon. Ah, quand même. Bien, mon garçon, bien. Athéna a fait un bon choix. Ça ne m'étonne pas d'elle. Qui êtes-vous? Alors, vous avez les lames, la peau pâle comme la lune. C'est bien vous, en effet. Athènes survivra peut-être, en fin de compte. Mais faites attention, ne mourrez pas avant que j'ai fini de creuser cette tombe. Une tombe? Au beau milieu d'une bataille? Qui va l'occuper, vieillard? Vous, mon ami. Oh, j'ai beaucoup à creuser, en effet. Tout sera révélé en temps voulu. Et quand tout semblera perdu, Kratos, je serai là pour aider. C'est pas des cheveux, c'est des doigts qu'il a dans ses cheveux-là. Ne me dérangez pas, j'ai beaucoup à faire, et vous aussi. Et il ne nous reste que peu de temps pour tout faire. J'aime bien comment ce passage était bloqué alors qu'il n'y a rien. Littéralement. Comment est-ce que je peux monter là-haut? Je sais qu'il y a un coffre. Gimme le coffre. Oh, de la vie en plus déjà. Ah, mais là aussi encore un coffre. Ah putain, faut comme ça, hein, c'est short. Normalement de l'autre côté ça doit y arriver aussi. T'as les hitbox des colonnes. Chelou, hein. Genre de là. Ça ralasse bien. Ça pue le fond en PNG et là hop voilà. Et ça ici je m'en rappelle. Que des armes, quoi. Le mixage sonore, j'espère que dans le jeu ça s'améliore. Mixage sonore du 1 là. Ouh. Bon, ça sert à rien que je les tue en boucle. Ce que je dois faire. L'entrée des tunnels. Mais une chose que l'auto-guidage, l'auto-ciblage ces trucs est à chier. Elles attaquent trop en fait. Ça m'arrange, hein. Ah. Ça c'est pour le karma, hein. C'est la dernière?
une qui est bourrée au fond là. Je viens abréger tes souffrances. Saloperie volante. Un peu de Athéna, ça. Un hibou, normalement, hein, c'est... Oh, des poutres. Donc ça avait pas manqué. Là. Il y a un truc à droite. Après il y a largement suffisamment de coffres je pense. Ils sont pas salauds. Je crois pas qu'on arrive à passer nature en sautant en face, donc ouais, j'ai envie de tenter. Non. Ça se tentait. Bon, mais... Le petit mode course du reboot là il manque hein. Ok. Oh, il est sensible le joystick droit. Allez vas-y si. Soin là en mode personne. Ah. Kratos, il avance nature. Kratos, à l'aide! On la voit déjà pendue, mais... On la voyait déjà comme ça, mais bon. Kratos, vite! Thank you.
J'aime bien le... Vite, on va bien prendre notre temps. Ok, faut jouer. Que fabriquez-vous? Athènes s'écroule! Vas-y, ferme ta gueule, putain. Oh, on casse les couilles, quoi. Ah bah voilà. Elle a failli me faire louper ça, quoi, à vouloir aller vite, là. Putain, un œil de gorgone en plus. Pas de la merde. T'inquiète, t'inquiète. Merde. Ah ! Kratos, je glisse. Vous devez venir vite. Oui. Je peux vous aider. Nous pouvons sauver Athènes. Mais faites vite! Oh là là! Faites vite, tout le chemin qu'on doit encore faire, quoi! Tanga, en aventure, un truc comme ça, quoi! Vraiment, tout ce qu'il faut faire, quoi! On a vraiment de la visibilité dans le temps, quand même! Oh oui, c'est bon. Par contre, il ne faut pas tomber. Aidez-moi, Kratos, s'il vous plaît. C'est sympa, ils ont mis des poutres énormes. Attends, je reprends juste ça. Tu vois, c'était super important. C'est plus la même chose, hein, dans Et avec cet ça. Acte, Kratos mit en route les événements qui le mèneraient inéluctablement à sa perte. Kratos, comme Athéna l'avait prédit, vous arrivez tard, peut-être trop tard pour sauver Athènes. Mais est-ce bien Athènes que vous êtes venu sauver? Non, je ne... On ne doit pas s'arrêter. Et quand l'oracle avancez, regarda dans son âme, avancez, elle y vit une bête en plus d'un homme. Autrefois capitaine dans l'armée spartiate, Kratos ne commandait au début que 50 soldats. Mais bientôt, il fut à la tête de milliers d'hommes. Ses tactiques étaient cruelles, mais efficaces. Ivre de pouvoir, il était craint par tous. Enfin, presque tous. Sa femme était la seule à braver sa fureur. Quand en auras-tu assez? Quand t'arrêteras-tu? Quand la gloire de Sparte aura fait le tour du monde. La gloire de Sparte. Tu as fait tout cela pour toi. Son désir de conquête n'avait aucune limite.
Mais ce qu'il désirait tant allait finir par le consumer. Dieu du ciel, pourquoi Athéna vous aurait envoyé, vous ? Mais sortez donc de ma tête ! Choisissez bien vos ennemis, Kratos. Seule votre force brute ne sera pas suffisante pour détruire Arès. Un seul et unique objet au monde peut vous permettre de vaincre un dieu. La boîte de Pandore, qui repose bien loin des murs d'Athènes, dissimulée par les dieux dans le désert, à l'est. Mais attention, Kratos. Beaucoup sont partis à la recherche de la boîte de Pandore, mais aucun n'est revenu. Ce manque de musique ça me ramène où? Ah oui, ça me ramène... Merde, ça mène vraiment quelque part par contre, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, l'escalier, il monte... Je crois que là, on monte vers la phase du début. Enfin, la première cinématique. Mais... Étrange monument, mais ni sa signification ni son visage. Bah, c'est l'entrée de l'Olympe. Ah, il est pas juste à côté. Ah, les vues sont belles. Mais j'ai aussi un bloqué derrière le coffre, quoi. Putain. Il ne répond pas à vos prières. Ouais, donc c'est vraiment la corniche du début. Ouais. Juste avant. Levé de dizaine, bon, ça vaut pas un sou, mais avant l'heure, c'est pas mal quand même. Je pensais qu'on aurait atteint plus vite, j'ai oublié comment elle est longue la première partie là. Bon, en vrai elle est longue, on est qu'à 2 heures en vrai. En vrai si j'avais rien de spécial à faire. Je peux pas sauter? Non. Si j'avais pas grand chose, mais demain faut pas que je me lève trop tard, j'ai pas envie d'aller dormir trop tard ce soir du coup. J'ai déjà pas dormi. J'aurais dû dormir un peu plus. Enfin, j'aurais dû aller dormir plus tôt, on va dire. Une nuit passée. Donc, je vais essayer de pas trop traîner. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Spider-Man 2. J'avoue que j'ai quand même envie d'un peu jouer. What the fuck? J'ai oublié qu'il y avait encore les égouts, quoi. Et vu que j'étais obligé de faire un niveau dans les égouts, quoi, comme d'hab. Oh putain. J'ai oublié que vous avez ça aussi, tiens.
mourir. Ok, il a pop comme ça, nature. Un petit garde. Monter là-haut. Ça va bien qu'il n'y a pas un seul. Pas un seul bonus. Peut-être pas toujours. Hein. Ah ah! Tu me rates, c'est mort, quoi qu'il change d'angle. Tellement de dégâts. Ça, je me suis fait arrêter par un archer, quoi. Gentil d'attendre qu'on ait fini quand même à côté.
rien encore. Hein. Y a pas un coffre. Bah, je crois pas. Bien par en bas. Rip. Il y a un petit côté Doom avec les finishers là. Bien satisfaisant. Fini avec les égouts. Normalement, on réapparaît proche de. Une place, comme ça, on réapparaît, je crois. D'abord, on commencera plus tôt aussi. Toujours parce que je commence un peu plus tard. Là, il nous reste encore la zone du désert et pas si long que ça, je crois. Oh, le mec démembré, le KLM. Et on arrêtera à l'entrée du. Où on va attendre. Ah oui, c'est vrai. À se battre lui. Ouais, mais il a avancé. Ça y est, c'est là, on dirait. C'était bizarre. Ça donne la pluie peut-être. C'est incroyable que c'est quand j'ai mon casque que j'entends le bruit. Quand je l'enlève, j'entends plus. La logique serait que ça vienne de mon casque alors, mais. Kratos, le voyage qui vous attend est dangereux. Mais vous devez le mener à bien si vous voulez parvenir à sauver Athènes. L'oracle a mentionné la boîte de Pandore. Existe-t-elle ? La boîte existe. C'est l'arme la plus puissante qu'un mortel puisse utiliser. Et avec une telle arme, je pourrais vaincre Arès. Avec la boîte, les possibilités sont immenses. Elle est donc bien cachée, très loin dans le désert des âmes perdues. Il existe un passage sûr dans les sables mortels, mais seuls ceux qui entendent et suivent le chant des sirènes le trouveront. Vous devez suivre les sirènes, Kratos. Elles seules pourront vous guider à Kronos, le titan. Un titan en vie ? Kronos est le dernier. Zeus lui a ordonné d'errer dans le désert, éternellement, le temple de Pandore enchaîné sur le dos, jusqu'à ce que les sables tourbillonnants arrachent toute la chair de ses os. Suivez bien le chant des sirènes, Kratos. Votre voyage commence ici. Priez pour qu'il vous ramène à Athènes, avec la boîte de Pandore. Suivez le chant des sirènes, Kratos. Trouvez-les et détruisez-les toutes.
Le chemin dans les sables mortels s'ouvrira à vous. Ok. Oh, il y a un coffre là. De la moula. What the fuck, la tronche. Vous devez trouver et détruire les deux sirènes restantes avant de pouvoir passer. Vous devez trouver... Ok. Caméra fixe... Leur connerie, je vais retomber au début, moi. Vous devez trouver et détruire la dernière sirène avant de pouvoir passer. Sa sonorité est dégueulasse. Pourquoi les ennemis reviennent dans le 2 ou 3? Mais c'est plus intéressant, enfin, spécialement les tuer. Mais le finisher est plus marrant parce que. Du coup, ça fait une onde sonore qui attaque. Les ennemis. Oh putain, elle est là-dedans.
vas-y. Les sirènes du désert ont été éliminées, Kratos. Le chemin devant vous est maintenant révélé. Je crois qu'il y a encore un truc qui a la corde. Bon, du coup, retrouver le chemin ne sera pas très dur vu que. C'est l'intérêt de la caméra fixe, c'est que bah, du coup on sait où c'est. Et pour de la PS2, c'était pas déconnant hein, leur idée de. De zone comme ça à impression ouverte, on va dire. Bon, avec la tempête de sable, c'est de la merde, mais. Ouf. Des sirènes. What the fuck? C'est pas encore le truc, il faut que je monte parce que ouais, je suis ok. Il y a des ennemis qui vont apparaître, je suppose. C'est pas drôle sinon. Ah, on est plus si loin que ça. Les dieux apparaissent à Pathos vers Death 3, lui ordonnant de construire un temple pour abriter l'arme la plus puissante de la Terre et de l'Olympe. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le Dédale dans celui-là. Le plus grand ouvrage architectural jamais créé, Chronos, le puissant titan, est acharné, harnaché, le temple de Pandore. C'est vrai qu'ici, c'est enchaîné sur le dos. C'est vrai que c'est ici, c'est juste le temple de Pandore, c'est pas le Dédale de Dédale. Ça sera 23. Ça, c'est Moïse du sable. L'effet est joli quand même pour du 2005. Hein. J'ai l'impression que Kratos court ralenti, je sais pas comment ça se fait. C'est trop bizarre. Pas un truc qui se cache. Thank you.
gueule, quoi. Il y a plusieurs finishers, ok. Il peut revenir le truc. Le pouvoir de Poseidon est si fort quoi, il fait des dégâts de zone incroyables, mais pas à distance. Enfin, le pauvre Chronos. Enfin le pauvre. Non, c'est un gros connard, mais enfin à part ça. Je veux dire là, le voir marcher comme ça en fond, c'est. Les gros PNJ, on dirait FF7 Remake. Chronos, le dernier des puissants titans, émergea des sables du désert. Sur son dos, le temple de Pandore attendait, massif et patient, prêt à défier tous ceux qui convoitaient son trésor si bien protégé. Pendant 3 jours, Kratos escalada les parois abruptes de la montagne. Il savait que son destin serait de récupérer la boîte de Pandore ou de mourir dans le temple maudit, sans jamais revoir le monde des hommes. J'ai mis de pendant 3 jours. 6 mois. Je crois qu'on va arrêter là, hein. On va juste voir l'entrée du temple de Pandore. Pour l'époque c'était quelque chose, bon maintenant c'est sûr que comparé à certains jeux, comparé à ce qu'on va voir dans God of War 3, dans God of War 2016, je crois que c'est 2018. Et God of War Ragnarok. Regarde, hein. C'est pour être sûr. Il manque 500 orbes, ça se prend. On va quitter. Un petit minuit moins quart. C'est pas mal. Je commence un petit peu à fatiguer. Donc on continuera ça demain. On finira pas le jeu. On devra attendre la fin de ce que j'appelle mon hibernation. C'est quand je ne stream pas un mois, il faudra attendre
Fin du mois que je revienne. Je reviens pour le 27. 26, 27 dans ces eaux-là encore, je ne sais pas. Je ne streamerai sûrement pas au début. On verra bien à quel moment. De toute façon, on se retrouve demain après-midi pour du les Daily Genshin et les Daily Star Rail, suivi par du Super Robot Tyson pour faire encore une session avant de partir, enfin, avant l'hibernation. On se retrouvera après ça demain soir pour la suite de God of War. C'est très cool, j'aime bien y jouer. J'espère que ça se laisse regarder. On continuera jusque je ne sais pas quelle heure. Il faudra sûrement que je finisse plus ou moins vers cette heure-ci aussi. Mais je pourrais commencer plus tôt. On a commencé vers quasiment 8h30. Aujourd'hui, demain, on commencera vers 7h30, je pense. Donc on aura le temps d'avancer un petit peu. On n'aura sûrement pas le temps de faire tout le... tout le reste du jeu. Parce que je crois qu'on doit être à genre un tiers, peut-être. Je sais plus du tout... je sais plus du tout combien de temps prennent les... Mais il y a pas mal de... de trucs encore à faire. Sinon, après demain, on se retrouvera vendredi soir. Ce sera le dernier soir de stream. Ce sera la dernière fois que je stream avant l'hibernation d'ailleurs. On se retrouvera du coup pour les Daily Genshin Apex. Parce que je les aurai sûrement pas fait en après-midi. J'ai un pote qui vient vendredi. Et ensuite on regardera, on aura les vidéos, on regardera les redifs des vidéos de sûrement de Alex sur les présentations Genshin et Star Rail ce jour-là. On aura les deux qui sortent ce jour-là. Et puis on verra peut-être jouer un peu avant, on verra bien. Peut-être pas du Super Robot Tyson, peut-être du... Je sais pas, théâtre, du Isaac, du... Je sais vraiment pas encore trop quoi. Et je sais qu'on finira par des quiz animés et des... du blind test en général. Plutôt vers l'animé, mais un blind test, peut-être un petit blind test général, genre une demi-heure, 40 minutes, on verra bien. Bref, on va se mettre en ending. Pour ce soir... je vais vous donner rendez-vous demain du coup après-midi. Demain soir si vous voulez juste voir la suite de God of War. Et là, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et vous dire à la prochaine. Tchuss !